Bonjour bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le 11e épisode de Spelunky. Bon, dans l'épisode précédent on a fait n'importe quoi, du coup là on va essayer d'avancer un peu plus. Hein. J'étais clairement pas en état de jouer dans le dernier épisode. J'arrête pas de dire que c'est la faute du jeu, mais bon, c'est pas que la faute du jeu. Bon, le jeu, il fait des trucs bizarres quand même. Hein. J'ai rematé un passage tout à l'heure, j'étais plutôt mort de rire, donc. J'en ai pas beaucoup de persos en fait. Bon, je sais pas, on va prendre lui. On va prendre le perso principal, allez. Bon. Alors, il me semble qu'il y a un quick start à un endroit, mais bon. Alors, juste retrouver les touches vite fait. Faut pas que je confonde les bombes et les cordes comme la dernière fois. D'ailleurs, je sais déjà plus lequel est quoi. Je crois que S c'est les cordes. Non, c'est l'inverse. Ah, bordel. Bon, on verra. On verra bien. Les murs bougent. Bon. Allez, tain, je spawn juste à côté d'un squelette, c'est pratique. J'aurais pu me balancer cette flèche dans la gueule, hein, donc c'était risqué. Peut-être que j'arrête de tout le temps courir parce que ça me fout un peu dans la merde. Mais bon. J'aime bien aller vite. Et il faut que j'arrête de me balancer mes propres roches dans la gueule, accessoirement. Alors... Alors, est-ce que ce squelette va se réveiller? Ah, je pensais avoir plus de... Oh putain, j'ai failli zapper l'araignée. Hop là, je t'ai vu, connerie. Hop. Elle arrive. Ah. Il est maintenant 21h30. Merci le Canadien. Alors, comment faire ça? C'est très con. Je me suis dit que j'allais essayer de passer à côté, c'était con, j'aurais juste dû balancer là. La nana, allez, go, bon. C'est con, on n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu non plus. Ce qui est déjà pas mal. Alors, Snake Pit au niveau 2, hein, c'est pas déconnant. Bon, à chaque fois que j'ai eu cette connerie de pioche, ça m'a foutu dans la merde, mais on peut retester, hein. Allez, ramène-toi. Hop. Ok. Alors, s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin, c'est le Snake Pit. Ouais, nice. Ok, ouais. Layout intéressant. Alors, essayons de ne pas crever. Hein. Et de ne pas faire n'importe quoi si possible. Ok. A priori, j'ai déclenché la plupart des pièges, c'est pas mal. Ok. Ah, la paste, ça peut être sympa à acheter, ce truc-là. Bon, jusque-là, tout va bien. J'ai bugué pendant 2 secondes avec le piège, mais bon, il était forcément déclenché. Qu'est-ce qu'elle fout là, la nana? Attends, comment on va faire ça? Hop, voilà. Ok, alors, cette fois, on va pas se gourer. Donc la bombe, c'est par là. Ok. Jusque-là, ça passe. Et ouais, si on pouvait éviter de creuser et de se foutre des conneries de trucs sur la gueule, ça serait bien. Putain, mais je l'ai tué, sérieusement. Et... Non, j'allais dire, ça me fout dans la merde, mais non, ça va. Faut faire gaffe à pas se piéger non plus, hein, parce que si je pète ça... Ouais non, je peux le péter aussi. Ça va. Hop. Faut que je trace un peu par contre, hein, je suis pas très rapide. Pas envie de me prendre le fantôme dans la gueule. Ok, le piège est déclenché. Est-ce que j'ai envie d'activer ça?
Ouais, j'ai assez de cordes, ça passe. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas le coffre qui traîne. Hein. Bon, ça ne devrait pas être le cas, mais... C'est jamais, hein. Ouais, faut que je bouge. Oh putain. Ok, dépêche-toi. Il est où le fantôme? Il est là, ok, nickel. On se casse. Je me doutais qu'il avait arrivé de ce côté, donc... Vu que j'étais plus proche de ce côté-là. Ok, bon, bah, sachant qu'on a la pioche, on peut faire des trucs intéressants, mais... Mais bon, faut faire gaffe quand même. Alors... C'est pas impossible qu'il y ait le coffre qui traîne, donc... On va essayer de faire gaffe. Bon, d'ailleurs, c'est très probable qu'il soit dans le coin, le coffre. Je vais pas prendre toutes les pièces, hein, mais... Alors, essayons de repérer un peu le chemin, la zone. Pas vu grand chose. Putain, mais genre, je l'ai touché, quoi. Bon, je vois pas grand chose dans le coin. Voilà, n'hésitons pas à prendre notre temps. Conneries. Voilà. Là, toi, tu crèves. Celle-là, est-ce qu'elle va m'embêter? Elle pourrait. Un peu risqué, mais... Mais ça passe. Bon. Allez, toi, je t'active. Essayer d'aller un peu plus vite. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis foiré, mais bon, heureusement. Il n'y avait pas un pic juste au-dessus, sinon j'étais mort. C'était, ouais, c'était un peu con. J'ai pas l'impression qu'il y ait le coffre de ce côté. Hein. Heureusement. Oh putain. J'ai failli faire de la merde. Ah, du coup, au final, j'ai bien fait de pas péter ça. Hein. Profite pour choper un peu d'or, hein, écoutez. Ok, on va passer par là. Ça va, il n'y a rien de dangereux. Je vois pas grand chose en haut. Ouais, ce truc va nous foutre dans la merde, donc on va quoi que. Passer par là. Ah non, il n'y a rien dans le coin. Hein. Il est pas là, le coffre. Alors, ils l'ont vraiment foutu dans un pixel, je sais pas quoi, mais... Il devra être ici. Il devra être ici. Essayer de le trouver. Ok, le coffre est là. Putain, d'où il y a des scorpions là. Oh putain, le truc. Combien de tirs pour les buter? Oh putain, je me casse. On a eu de la chance là pour le scorpion. On aurait pu facilement se faire. Non, toi, tu vas gentiment crever. Non, non, casse-toi avec cette roche. Tu crèves. Tu crèves tout de suite. Voilà. J'ai pas envie de jouer avec ces conneries. Hein. T'es mort. Ok. C'est pas terrible comme... zone. Ah, ok. Je vois où est la clé. Pratique. C'est tombé ce truc. Là, c'est con, j'aurais pu péter le mur, mais bon. Ok. Alors, on va se dépêcher un peu. Un peu traîner. Pas trop combien de temps. Prend le fantôme à arriver. Mais... Alors, où est la sortie? Elle est pas ici, donc. Moi, c'est cool, on va pouvoir avoir pas mal de choses. C'est... Oh merde, depuis quand ça pète ces trucs? Ah, oh, j'avais oublié. Ah, j'ai connement zappé que c'était possible, ok. Bon, bah fort bien. Bon à savoir. Alors, ouais, allez, on va essayer de... d'aller un petit peu par là. Bah c'est con, j'aurais pu prendre ça, mais du coup c'est mort. Quelques bombes en plus, c'est pas déconnant. Je peux acheter la nana.
Elle coûte combien? 8000. Ouais, allez. Ah oui, on peut l'acheter plusieurs fois. Ouais, bon, ok, bon, bref. J'ai cru qu'on pouvait l'acheter pour qu'elle vienne avec nous, mais. Ok, bon, bref. J'espère que ça va pas me foutre dans la merde. J'ai tombé sur le black market direct, je vais pas pouvoir acheter. Oh, putain, j'aurais pas dû faire ça en fait. bon. C'est pas terrible comme démarrage. Bon, on a quelques bombes, on va jouer safe. Ah, c'est vrai que j'ai la pace, j'ai déjà oublié. Bon. Cette fois, on va vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Ça, c'est pas terrible. Hein. Bon. J'ai utilisé deux bombes, c'est pas génial, mais. J'ai pas envie de prendre trop de risques. Faire gaffe au black market, hein, mais. Bon, après, est-ce que ça va vraiment nous servir à quelque chose? Je ne sais pas, mais. Bon, pourquoi je suis allé par là, moi? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce chemin, bordel? Ok. C'est vachement dangereux, tout ça. Ok, on va mettre une bombe là. Faut plus faire de fausses manip, putain! Oh! C'était une fausse manip, hein. Heureusement. C'est passé, mais. Putain, mais où est-ce que tu vas, toi? Connerie. Putain, ça va foutre la merde, ça. Mais dégage! On peut pas se noyer, je crois. C'était bien pourri, ça. On va éviter de refaire la même, hein. Je sens pas trop ce squelette. Ah, 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 évidemment. Oula, c'était limite connerie. Comment je vais faire Ok, je l'ai pas buté. Réussi à ne pas la buter. Hop, il faut que je bouge mon cul parce qu'à mon avis, le fantôme va pas tarder. Oh putain de singe. Ok, bon. Ah, ici, éviter le singe, je sais pas comment, mais. Ok, bon. Il y a des chances que le black market soit dans le coin et j'ai clairement pas assez de thunes. Putain, mais pourquoi j'ai acheté ce truc tout à l'heure? J'aurais jamais dû faire ça. Bon. Il nous faut plus. Plus de ressources. Ouais, c'est bien les bombes, mais. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans le black market? Ah, un peu, mais. Je sais pas. Que là le niveau est pas trop dégueu. Parce que je fous avec ces trucs mais. C'est la vraie sortie ça. On dirait un black market à ciel ouvert ou un truc comme ça. Mais ouais, non, non, c'est. Ça va être la sortie, mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît très bizarre. Est-ce qu'il y a un intérêt que j'aille par là? Je sais pas trop. Voilà, ouais, je vais prendre des risques là, mais. Des risques mais bon allez on va acheter les bombes tant pis pour le black market si jamais il est là bon est-ce que j'essaye d'aller par là aucun intérêt faut que je fasse gaffe faut pas que je fasse de conneries ok. Attention, je sais plus si les squelettes qu'on a déjà évité peuvent se réveiller ou pas, mais. Bon, écoute, pas tant de 3 ans, on va aller par là, on verra bien. Il y a des chances qu'on l'ait loupé le black market, mais c'est pas très grave. Est-ce que j'ai envie d'acheter le grand? Oh, je pense pas. Ça peut nous servir, mais bon.
Pour l'instant, on a assez de cordes, ça va. A priori, je dois pouvoir aller par là. Ok. C'est pratique, ça. Ça, tu dégages. Ok. Quel est le chemin le plus safe? Pas trop de chemin safe. Bon. RIP, mon boomerang. Putain, il aurait été utile. Il est tombé pile dans un endroit de merde. Ah, c'est pas génial. Essayons de pas faire de la merde. Ok. C'était un bon début. Allez, chauve-souris, ramène ton cul. Voilà. Tranquille. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Ouh, le compas, c'est pratique, ça. Le compas. Non, c'est une boussole, bordel. Voilà, j'ai réussi à m'en souvenir. C'est une boussole. Ce n'est pas un putain de compas. Ah, je peux déclencher les singes. Et merde. Connerie. Il en reste un. Ah, est-ce que j'ai envie de m'amuser avec ça? Pas sûr. Ah, je crois que je peux balancer une bombe en bas. Right, c'est vrai que je peux faire ça. C'est un peu dangereux ce que je fais. Hop. Oh, le black market est dans le coin. Ah, je le vois en plus. Ah. Je vois où il est. Sauf que c'est un peu foireux. Oh putain. Ok. Bon, c'est. C'est fait toucher, mais. Oh putain, j'ai failli foncer dans les pics, c'était pas une très... Oh putain, ouais, j'ai failli faire de la merde, là. Hein. Bon, dégage. Oula, fantôme qui arrive. Ok, bon, on a pas de quoi acheter l'encre, mais on va peut-être trouver quelque chose d'intéressant là-dedans. Hein. Mais du coup, si on arrive à survivre au black market, attends, j'espère qu'il n'y a pas un truc qui va activer les... Et buter les shopkeepers, putain, ça serait abusé. Oh putain, j'entends des choses pas cool. Oh putain. Oh. Right, ok, les marchands peuvent se défendre. J'avais oublié ce détail. C'est pratique. Ah, les spike shoes dans le niveau 3, ça va nous servir, donc... Bon, si on zappe complètement l'ancre... Des bombes, ouais... Ouais, fuck l'ancre, hein. Merci pour vos achats, bah de rien. J'ai pas trop envie d'aller par là. J'ai pas trop envie d'aller par là non plus. C'est... Ouais... Cette grenouille me stresse. Voilà, parfait. Exactement ce que je voulais faire. C'est cool quand... Ah, c'est vrai que j'ai acheté les spike shoes. Attends, ça va me servir. Oh, le jetpack, ouais, c'est un peu... Plus ou moins ce que je cherchais. Ah, 32 000, putain, la vache. C'est super cher. Il y a 1 milliard de boussoles. J'ai réussi. Bon, bah, c'est mort pour le jetpack, mais bon. Sachant que le jetpack, ça peut souvent nous foutre dans la merde. Oula, j'aime pas... Pas du tout ça. Nice. Magnifique tir. Lui, je le sens pas trop non plus. Hop. Nice. C'est ce que je voulais. Oula, ce chemin est... Ah, non. Oh, putain. Oh, non. Oh, c'est une blague. Ah, elle était trop bien cette run, sérieusement. Oh, je suis dégoûté. Oh putain, je suis ultra dégoûté là. Ok. Revenir au début. Putain, c'est vrai que c'est con ce truc. Continuer. Donc c'est pas continuer, c'est revenir au début. C'est l'inverse.
Ouais, je suis dégoûté. Bon bah, speedrun, hein. Et déjà 20 minutes de vidéo. Ah c'est con, elle était vraiment cool cette run. Enfin, je vais en faire un speedrun, mais là... ok. Bon, est-ce que je prends la nana? Non, rien à foutre. Alors, on essaye de faire un vrai speedrun cette fois. Bon, je vais pas très vite, hein, mais bon. Ah c'est dommage, cette run était vraiment cool. Bon. J'ai mal calculé le truc, mais c'était pas génial. Pas grand chose qui peut me servir là-dedans. Putain, mais quel con. Mais casse-toi. C'est un peu de la merde, ça. Pour essayer de prendre le coffre, mais je vois pas trop l'intérêt. Ouais, en plus, c'est... l'accès est pas terrible, hein. Bon, ouais. Speedrun, hein. Bon, on s'est fait toucher, donc ça, c'est pas génial. Ouais. Ah, mais quelle connerie. C'est dommage. Cool, ça a été activé. Je sais pas trop où est la sortie. Oula, c'est dangereux, ça. On va pouvoir... Oh putain, quel con. Si je pouvais arrêter de faire de la merde, ce serait cool quand même. Non, pas toi. Ok. Oula, ouais, non. Enfin, comment on fait ça? Faut pas se gourer. Bon, c'est pas génial pour un speedrun, mais bon. Pas moyen de récupérer de la vie ou quelque chose. Oula, ouh putain, c'est foireux ça. Allez, on se barre. Par contre, j'ai plus de vie, donc c'est la merde. Bon, ça va, j'ai récupéré la... Non, non, mais bon. Ça ne suffit pas, ouais, le Snake Pit. Ouais, cette fois... cette fois, j'essaye plus de faire je sais pas quoi, là. Bon, allez, on va... Oula, c'était pas une bonne idée, ça. Ok, bon. Niveau rapide pour tracer, c'est cool. Va-t-on arriver au niveau 3 ? Bon, cette fois, je vais essayer de mieux jouer que la dernière fois. Bon, c'est pas compliqué, mais... Enfin, de mieux jouer que la dernière fois. Mais bon. Ok, alors... qu'est-ce qu'il fait, là? Caca. Alors ça, c'était du bullshit. Le truc, il me détecte pas, évidemment. Deux secondes après. J'ai cru que je pouvais pas passer à travers pendant deux secondes, je comprenais pas. Je n'ai plus de vie, c'est la merde. Ouais, j'ai cru entendre la nana quelque part, mais... Ok, c'était calculé. Avec Envy, je pense pas qu'on puisse... puisse aller suffisamment loin. Pas trop si c'est le meilleur chemin. Ok, c'était plus ou moins calculé. Ok, ça va. Attends, on va faire demi-tour, on sait jamais. Connerie de chauve-souris. Allez, essaye de jouer un peu plus safe, mais ah oui, c'est vrai que c'est un speedrun quand même, donc il faut quand même que j'aille plus vite. Pas évident de faire le mix des deux. Hein. Oula, ça c'est foireux ça. Ça c'est foireux. Ok, j'entends la nana quelque part, mais. Ok, elle est là. Curieux comme emplacement. Alors, hop là. Ok. D'accord. C'est pratique, ça. C'est bien pratique. Tu veux pas mourir, la grenouille? Parfait, décidément. J'ai bien calculé la chose. Faut pas que je me gourre pour l'emplacement de la bombe. Je vais prendre le risque de cet or, bien sûr que si, je vais le faire parce que je suis bête. Bon, allez. Allez, pour un speedrun, c'est trop lent. Oh putain, cette fois on fait gaffe à ça. Oh putain de merde. C'est pourri ça. C'est
c'est particulièrement pourri. Comment on fait pour passer là? Je suis mort là. Je suis foutu là. Attends, si je sais. Faut que j'aille quand il est dos tourné. Et t'es censé faire quoi là? Bon, donc c'est pas X que je dois faire, c'est Z pour revenir au début. Ah, ils ont vraiment inversé les touches, c'est con quand même. Hein. Bon. Et j'ai pas envie de faire des runs trop longues à chaque fois, mais bon, 20 minutes. Pour une run où au final on fait rien, bah c'est pas drôle quoi. Donc, bon. Allez. Essayons cette fois d'atteindre correctement le niveau 3. Allez, crève dans les pics, saloperie. Mais genre. Ok. Multitâche, hein, je fais plusieurs choses en même temps. Oui, c'est le. C'est la signification de multitâche, mais oui, bref, je tire dans deux sens en même temps. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir le boomerang? Pas sûr. Bizarre ça. Je sais pas si je veux prendre un anneau ou pas. Rare qu'avoir une arme pour un speedrun, c'est pas déconnant, mais. Enfin, est-ce que c'est vraiment la meilleure arme à avoir? C'est déjà quelque chose. Oh, là oui, le. Le compass par contre, c'est pas déconnant du tout. Si je pouvais le récupérer. Ouais, oh, mais pas le temps en speedrun. ok. J'aurais dû faire ça quand il avait le dos tourné. Ok, on se casse. J'ai pas pris le boomerang, c'est malin. C'est malin, c'est malin. On a loupé le. On a loupé le. Eh, dépêche. Dépêche-toi. C'était dangereux. On a loupé le. Le compass. La boussole, mais bon. Là, y'en a pas d'autre. Alors, la sortie. Est-ce qu'elle est par là? On va bien voir. Hop. Je me méfie un peu quand même. Bon, je vois rien en haut. A priori, on peut faire ça. Putain, c'est dangereux ce que je viens de faire. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des escargots là. Putain de. Qu'il est con, mais. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais envie de le buter, mais. Oula, c'est. Ouais. Ok, ouais, je vais récupérer la nana quand même. Ou pas d'ailleurs. J'ai cru que j'allais crever pendant deux secondes. Mais tu vas descendre, oui. Je peux pas remonter, ah si. Bon, fuck le boomerang, c'est... je regretterai peut-être cette décision, mais on va trop lentement. Allez, faut que j'atteigne le niveau 3. Oh là, les zombies. Alors, putain, je me souviens, ouais, dans l'épisode précédent, genre, j'arrêtais pas d'avoir cette variante du niveau. Je sais pas si c'était un bug ou pas, mais c'était curieux. Ok, cette fois, on va descendre tranquillement. Je vois pas la tombe de H. C'est que ce truc là ça peut me donner des ressources, donc bon, pourquoi pas. Je fais comme aller à couronne, c'est 10 000 un truc comme ça, hein, 5 000. Je pensais que c'était plus. Dracula qui traîne, c'est pas terrible. On va prendre ça pour se défendre, c'est pas grand chose, mais. Et déjà ça. Dangereux. Dangereux. Oh putain, ouais, c'est pas terrible ça. Allez. Il suffit d'avoir un petit peu de skill. D'accord. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais ça passe. Essaye de le tente, mais. Putain, il est violent ce truc. Ah, on a trouvé H.
On a trouvé H et hop. Voilà, faisons pas les cons. Voilà, parfait. Ok, encore un niveau pour atteindre le niveau 3. Je sais plus tout ce que me demande le niveau 3. J'espère que j'ai ce qu'il faut. Je sais qu'il y a un truc qui me demande le shotgun à un moment, mais je pense que c'est le niveau 4. Mais bon, je suis pas sûr qu'on arrive jusque là. Hein. Oula, oh bon, qu'est-ce que c'est pourri comme chemin. Bon, on va mettre une rebombe là, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est mieux. Ok, bon bah passons par là. Attention au recul. Ouais, le recul, putain, il est dangereux. Ouais, c'est pas terrible par là. Ah, genre. Oh putain, mais c'est agile ces conneries de grenouille. Hop, attention. Ne sautons pas dans la gueule de ce machin. Voilà. Ce serait pratique de la récupérer, elle, mais. Comment je descends, moi? Putain, c'est pas terrible ces chemins. Hein. Ah, moyen de faire un truc là. Il y a moyen de faire un truc nice. Et merde, je n'ai plus de bombe. Eh ben j'ai fait de la merde. Ok, et comment je vais descendre maintenant? Parce que je vais être obligé de passer par là. Génial. Évidemment, je suis à un niveau d'avoir ce que je veux. Et c'est la merde. Oh putain. Non. Putain, mais sérieusement. Sérieusement. Pourquoi c'est toujours à un niveau de ta mère. C'est toujours à un niveau de là où je veux aller que je crève. Ça, c'est pas possible. Ouais, c'est. Faut vraiment qu'il corrige ces putains de touches. Faut essayer de speedrunner, mais bon, speedrunner ces niveaux, c'est. Plutôt catastrophique en général. Comment on est censé aller. C'est impossible. Putain, j'aime pas faire des vidéos de 40 minutes, ça me saoule. Sérieusement, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut s'entraîner à faire des trucs dangereux, mais bon, c'est chaud quoi. C'était quoi ça? C'était quoi ça, sérieusement? C'est fou, on n'est pas. Je sais plus quel niveau on a atteint dans la première vidéo, mais. Chaque fois, c'est dans les premières vidéos que je vais super loin, puis après. Impossible. Eh, hey, mais c'est ouf, hein. C'est ouf. De connard. Je suis toujours dégoûté pour ma première run, n'empêche. Ah, vous savez quoi, on va faire un truc marrant, fuck ce jeu. Ou évidemment, c'est exactement ce que je voulais faire. Bon bah fuck, hein, tant pis. Hein. Je voulais dans The Worm, mais bon, le veut pas. Fuck you. J'aurais pu faire un truc intéressant, mais non, je veux pas. C'est pourri ça. Un peu, ouais. J'ai pas vu le piranha. Combien de chauves-souris dans le coin? C'est cool de recevoir des mails, mais je suis en train de jouer là. Oh là là. Évidemment. Oh putain, c'était dangereux. Mais ouais, comme je dis, il faut que j'arrête de courir tout le temps, peut-être, mais. Mais bon. J'y suis. Ouais. Est-ce que la sortie serait par là, par hasard? Pas du tout, évidemment. Sinon, c'est trop facile. J'ai appelé ça une souris plutôt que
Un singe, j'ai du mal avec les animaux dans ce jeu, putain, à chaque fois j'ai envie de les appeler autrement. Peut-être 35 minutes, sérieusement. Oula, c'est dangereux ça. Comment je suis censé l'éviter celui-là? LOL. D'accord. Fort bien. Fuck you. Gros fuck you. Ah, c'est ça, maintenant tu vas crever. Voilà. Bien fait pour ta gueule. Et comment je fais pour me barrer, moi? Ouais, je vois comment faire. Hop. Putain, c'est dangereux ces trucs. Oh putain. Eh mais même t'as même pas une seconde hein. Putain mais c'est dingue. Je suis dans un état parfaitement normal et sain d'esprit et j'arrive pas à aller plus loin que la dernière fois. Ça me rend fou. Oh fou. C'est abusé. Qu'est-ce que... Et finalement, elle est pas tort en fait, hein. Le jeu il fait vraiment n'importe quoi. T'es sérieux quoi. Qu'est-ce que c'est que ces niveaux quoi. Allez, on tente. Ouais, il m'a piqué une corde. Putain, il m'a piqué combien de cordes ce salaud là. Risque de nous foutre dans la merde, ça. Il a piqué 3 cordes, sérieux, quoi. Rien que ça. Tu sais, on va arriver au niveau 3, le truc, il va me dire, ah, il vous faut 3 cordes. Putain de connerie de singe. Ouais, je m'étonnerais pas. Hein. Alors, hop. Je suis pas prêt d'arriver au niveau 3, là. Putain, c'est ouf. Ouais, bof, pas terrible comme chemin, mais bon, on va faire avec. Mais genre, quoi. Bah oui. Comment je passe maintenant, moi? Avec la corde que je n'ai plus? Ouais. Ouais, te faire foutre, ouais. What the fuck. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et quand le jeu il veut pas, mais bon. J'ai un peu autre chose à foutre aussi. Hein. Ah bon. J'ai bien m'entraîner à Spelunky, hein, c'est pas un souci, mais bon, j'aimerais bien aussi pouvoir. Bah aller plus loin quoi. Ouais, cette fois j'ai des cordes, youhou. Hop là. Toi tu dégages. ok. Évidemment, la sortie, elle est tranquille. Hein. Personne pour nous faire chier. Allez, sérieux. Faut atteindre le niveau 3. Ta merde. Faut atteindre le niveau 3. 2 secondes après. Zone machin, là. Je sais pas comment on appelle ça, mais... Dark Zone. Ah, bordel, j'en peux plus. Rushing Water, ouais, je sais pas. Je sais pas, moi. Comment on est censé aller vite dans ce niveau, sérieux? Il y a bien des strates, c'est pas possible. Bien une façon de pouvoir aller vite. Oh là là. Où est-ce qu'ils ont foutu la sortie, bordel? Elle est là. Pff,
qu'est-ce que c'est que ce niveau, quoi? J'ai plus de chances d'arriver à faire quoi que ce soit en mourant, ouais. Exactement. Abusé. Bon, déjà 40 minutes, hein, donc ouais, j'ai pas envie de dépasser 45. Mais bon. Je dis bullshit. Ça me saoule, ça me saoule. Je veux juste aller plus loin, bordel. Ok, bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Quand tu veux, hein. Mais putain. Saloperie. Ouais, ok. Ça passait, hein. Non, je peux pas avoir un niveau comme ça quand j'ai besoin d'atteindre le niveau 3, non. Sérieux, quoi. Alors, allez, on va mettre ça là. Pas s'embêter. Si on se concentrait un peu, pas faire de conneries. Bon, c'est vrai, la sortie est par là. Oh putain. Ok. Je vais rattraper ma connerie. Il faut être tellement... tellement précis dans le jeu, sinon... sinon on est mort. C'est abusé. Allez. On a une chance, peut-être. Si on passe ce niveau... Ah, j'ai dit n'importe quoi en plus, hein, mais... Ouais, si on passe le 2-3, on n'arrive pas du tout au niveau 3, mais... Mais bon, bref. Pendant 2 secondes, j'ai cru que la roche m'allait retomber sur la gueule. Ouais, c'est pas mal. J'ai cru voir un bip de Black Market pendant 2 secondes. Casse-toi. Casse-toi. J'ai vu les abeilles. Il faut que je me barre. Ok. Dernier niveau. C'est notre chance. Elle est là. Oh oh. C'est dangereux, mais bon, j'ai senti l'occasion, donc j'y suis allé. Oh, y a moyen, y a moyen, bordel. Putain, c'est pas par là. C'est pas par là. Oh putain. Ok, c'était dangereux. Je sens pas du tout cette chauve-souris. Ok, on va attendre qu'elle vienne. Ouh, on peut le faire. Ok. Attention au piranha. Et ça passe. Ouh. Bon, qu'est-ce qu'il va vouloir, lui? Est-ce que ça va servir à quelque chose? 2 bombes. Ça passe. Bon. Eh bah putain. C'est pas compliqué. C'est là que j'arrive super loin et tout. Du coup, je dépasse à fond les 45 minutes. Waouh. Tout ça pour ça. C'était beau. C'est un beau final. Je peux pas appuyer sur échappe pour revenir au menu. Bon. Alors, X, W, machin. Ok. Ouais, chaque fois, je fais quitter le jeu sans le vouloir, mais... Voilà. Bon. Eh bien, sur ce, c'était Merlin Boss pour le 11e épisode de Spelunky. Avec l'outro, c'est mieux. Donc ouais, c'était Merlin Boss pour le 11e épisode de Spelunky. Et on se retrouve dans le prochain épisode où on essaiera... peut-être d'aller plus loin que le tout début du niveau 3. Hein. À la prochaine, tout le monde. Moi. Ouais.